Coucou, bonjour, ça va? La fête est finie et on reprend le boulot. Réveillez-vous, fête est finie. Fête est finie, reprenons le travail. Les paresseux, là, réveillez-vous, allez-y travailler. Allez-y travailler, fête est finie. Chacun reprend son service, chacun reprend son boulot et le temps qui va avec. Réveillez-vous. Vous allez fêter jusqu'à combien d'années? Combien de temps? Ouais, 2022, on n'a rien vu dedans. 2022, on n'a rien mis dedans, mais si on le voit dehors, là, c'est toujours les mêmes têtes rouges là qui passent. Il n'y a même pas eu de nouveautés. Samuel Gérard Kiss, bonjour. Partagez la vidéo, le thème qui va avec. Il dit, réveillez-vous, la fête est terminée. Chacun reprend son service. Chacun reprend son travail. 2022, là, voilà, ça, on est dedans, là, il n'y a pas de changement. On reprend nos boulots d'actualité. Eh oui, on reprend nos services d'actualité. Même 31, même, il y a eu les gens qui sont en train de clasher, qui sont dans 2022 là. J'ai vu certains qui sont en train de faire clash. Il y a dit, réveillez-vous. Les gens vont nous expliquer où est passé Francis Mbumba le 31. Premier, on n'a pas vu Francis Mbumba. Fleur Rose, sois salué à toi aussi depuis ta position. Merci beaucoup. Merci. Lova, Lova. Jade. Eh, le teint de 2022. Adam, on peut dire comme ça. Ish, le teint du réveil. Parfois, quand tu te réveilles dans le noir, là, ton teint, là, ça, Jack. Jean, le repère au DK, oui, c'est elle-même en or et en chair, avec le teint qui va avec. C'est de ça qu'il s'agit. C'est moi, la repère au DK, désormais. Et c'est à la cuisine, mon cher. Faites-la, ça continue, oh. Partagez la vidéo, le temps qui va avec. 2022, on est dedans. On est lancé. C'est toujours le même crâne là. Quand tu sors, c'est toujours le même crâne là, tu vois dehors. Les têtes rouges, on dirait Maguia, têtes rouges. Ce sont eux qui sont remplis dehors. Il n'y a même pas quelque chose qui a changé. J'ai dit, hein, hey, partagez la vidéo. Aïe, il y a le Congo, ça, on a raté depuis le 31. Depuis là, on regarde Coco Emilia. Depuis, on est assis par terre. On regarde le couple milliardaire. On regarde le couple des milliardaires, des diamantaires, des pétroliers. On est assis par terre. On dit, ah, comme il n'y a pas fêté 24. Il n'a pas fêté 25 avec sa destinée, Coco Emilia. Peut-être que 31 là, ils vont fêter ensemble. Donc, on est assis par terre seulement. On le regard est fixé devant le couple des milliardaires. On est assis par terre. Coco Emilia est parti à Abidjan. Quelques jours plus tard, on a vu sa queue qui l'a suivi. Lui aussi, il est arrivé à Abidjan. On dit, ah, ils vont se réconcilier comme Emma Louès était au mariage. Peut-être elle va arranger les choses. Ils vont fêter en famille. Comme Francis Mbumba aussi allait à Abidjan. Ils vont fêter en famille. Donc, restons concentrés. Nos best girls, ils sont venus fermer notre bouche pour dire que on a vos gueules dans notre histoire. Nous, moi et puis Coco Emilia, là, c'est jusqu'à la gare. On dit, ah, notre bouche. On ferme notre gueule dans le couple des gens vivants. On est toujours concentré sur 2022. On dit, peut-être, avant qu'ils vont rentrer dans l'année 2022, là, ils vont fêter 31 ensemble. Ils vont fêter 1er janvier ensemble. On est assis par terre. On regarde seulement Coco Emilia. On regarde, on fait comme ça, voici les deux femmes battantes. Les deux femmes battantes inséparables. Coco Emilia et puis Emma Louès. Les deux se sont retrouvées. Ah, elle allait consoler sa copine. Elle est allée consoler sa copine Coco. Emma Louès a appelé sa copine pour dire, ma chérie, nous les deux femmes battantes là, tu sais que Goumé ne peut pas nous tuer. Je suis là. Je suis tout où tu m'as laissé là. Je suis toujours assise là.
C'est Coco Emilia qui dit, Emma Louès qui dit à Coco Emilia, hein, elle dit, ma chérie, tu sais que nous, les femmes battantes, là, on ne dit pas dans mauvais rêve. De la manière que Francis Mbumba est en train de se comporter comme ça, là, ma chérie, je suis toujours assise sur ma même place que tu m'as laissée. Là, j'ai dit, tant que je me suis, il n'est pas encore fini de me battre, je n'ai pas trouvé l'homme qui se bat comme moi, là. Je suis toujours assise là. Viens, ma chérie, je vais te consoler. Viens, je vais te consoler. Donc, c'est comme ça que Coco Emilia aussi a dit, ah, si je reste au Cameroun ici, la Goumen va me tuer. Si je reste au Cameroun, au Yaoundé, c'est la bouche des Camerounais, là. Goumen va me tuer, je vais me consoler en Côte d'Ivoire. Je m'en vais trouver ma collègue, ma copine, femme battante, on va se consoler. Voilà comment est-ce que Coco Emilia est arrivé à Abidjan. Pour oublier un peu Francis Mbumba. Pour se libérer un peu la tête. C'est comme ça que, quelques jours après, Francis Mbumba aussi, il a pris son chemin. Il dit, il s'en va à Abidjan. On ne sait pas s'il est devenu artiste ou s'il est devenu touriste ou bien s'il a conseil à faire à Abidjan. Il dit, il s'en va à Abidjan. On dit, ah, enfin, ils vont aller se réconcilier. Il n'est pas allé pour Coco Emilia. Il a sa nouvelle chérie là-bas en Côte d'Ivoire. Il a une Ivoirienne, Adama. Asseyez-vous par terre. Est-ce que vous êtes assis par terre? Hey! Avant le 2022, là, affairage, là, on n'a pas laissé en 2021. On est rentré en 2022 avec affairage. Donc, c'est comme ça. On a pensé que ah, ça va s'arranger, il allait trouver sa femme. Donc c'est comme ça. Francis Mbumba, il est parti, il allait retrouver sa nouvelle chérie ivoirienne. Il allait retrouver sa nouvelle chérie ivoirienne. Il a dit qu'il a ignoré même Coco Emilia royalement, mais foutaisement. Il l'a ignoré. J'ai dit, on peut ignorer quelqu'un comme ça. On peut ignorer quelqu'un comme ça en foutaise. Donc, 31 là, à cause de la honte, parce que Coco Emilia s'est retrouvée seule, la honte a fait qu'elle a créé maladie pour me dire si ça t'est pour dire que non, je suis malade officiellement à Dama. Affaire des femmes battantes. Affaire de femmes battantes. Donc 31 là, 1er janvier là, il n'y a pas un homme battant auprès de vous. Hein? Il n'y a pas un homme battant auprès de vous. Hein? Vous deux femmes battantes, vous êtes ramassées pour aller chauffer dans maquis. Vous avez commandé bière avec un petit gigolo. Et soit il s'appelle Védrom ou bien Végédrom là. On ne sait même pas comment il s'appelle même. Védrom ou bien Végédrom là. Pour qu'elle aussi, elle va essayer de pour ne pas dire qu'elle est seule en train de fêter 31. Les femmes battantes se retrouvent toujours seules. Hey, on peut souffrir comme ça en 2022. Hein? Les femmes battantes, deux femmes battantes se sont retrouvées seules. Même pas un petit bâton auprès d'eux. Hey, attendez, regardez ma sauce. Mon cher. On est lancé au... Je suis en train de préparer. Hein? C'est-à-dire les deux femmes battantes. Deux femmes battantes se sont retrouvées seules. Elles sont obligées d'aller se consoler. Coco Emilia. Et puis Emma Louès, elles se sont retrouvées seules, les deux là sont en train de se consoler. Imaginez, de la manière que Emma Louès était contente, elle dit, ma chérie, toi seule tu penses que tu vas me laisser dans l'histoire des femmes battantes là. Toi et moi là, on va se battre jusqu'à la gare. Hey! Hein? Il a dit, Emma Louès était contente. Hey! Elle dit, tu penses que Coco Emilia... Tu vas me laisser dans l'histoire de femme battante là?
Et puis moi seul, il y a une Nimi. Moi seul, il y a fêté 31 ans. Ça m'a chéri. 31 là. Toi et moi là. On va fêter un cabri mort. On va fêter comme maison inachevée. Aujourd'hui là, il n'y a pas à faire des femmes battues. Il dit, toi et moi là. On va fêter ensemble. Adama. On peut faire ça. Les deux femmes battantes se sont retrouvées seules dans un maquis. Elles ont commandé champagne. Champagne de 80 000. 80 000. Il n'y a même pas un petit bâton auprès d'eux. Elles se sont retrouvées comme ça seules, en train de s'embrouiller. Adama, on peut souffrir comme ça encore, puis rentrer en 2022 sans un petit bâton auprès de vous. Eh, les femmes battantes, les femmes battantes souffrent, hein? Et sauf pendant que les deux là sont en train de se consoler, pendant que Coco Emile était dans son gourmet, Francis Mbumba, il était déjà dans les bras d'une autre Ivoirienne, en train de célébrer le 31, en train de célébrer le 1er janvier, dans les bras d'une autre Ivoirienne. À cause de la honte. La honte a fait que Coco Emilia est tombée malade toute seule. Elle a créé une maladie quand je suis malade officiellement. Vous savez même. C'est la honte qui l'a mis dans la maladie. La honte, regardez. Quand je suis malade officiellement. Hein? Hein? La honte. Hein? Et puis c'est son chiot. Et puis c'est son petit chiot qui est auprès d'elle. Hein? Elle a créé maladie même. 2031, elle a créé maladie. Parce qu'elle a honte de ça. Hein? Le petit chiot, toujours fidèle. Vous voyez? Donc tellement que elle aime, elle, c'est-à-dire qu'elle a honte là, elle est obligée de dire je suis malade. Mais attends, normal, dans ton maladie là. Mais Francis Mbumba, il devait être au chevet de ton lit. Hein? Attends, normal, tu es malade là-haut. Francis Mbumba, il devait être au chevet de ton lit. Mais pourquoi c'est le petit et le pauvre chien, toujours fidèle? Toujours fidèle. C'est vrai que tu as laissé ton enfant un an, après que son bébé la même tête même. Est-ce qu'elle allait l'enfant là? Mais est-ce qu'on met silicone, on peut donner sein à l'enfant? Quand on met silicone dans le sein là, est-ce que l'enfant fait têter silicone? Donc l'enfant ne peut pas têter silicone. Il donne biberon. Voilà. Les lolos de Coco Emilia là, c'est pas naturel, c'est silicone. Donc l'enfant ne tète pas. Raison pour laquelle elle a laissé l'enfant là, là-bas. Chez sa maman, pour aller faire Sungurya en Côte d'Ivoire, pour aller hein, oublier un peu son gourmet. Tellement le gourmet était dosé, un gourmet pro-masse, un gourmet vraiment chronique. Elle s'est ramassée pour aller trouver Emma Louès. Emma Louès dit, ma chérie, je t'ai dit, oh. Je t'ai dit, battons-nous vivants, on n'est qu'à se battre. Tu m'as vu depuis que je me bats là, ici, assise ici, là. Qui va me donner gourmet? Quand je me bats jusqu'à... Quand je vais avoir gourmet là, je vais m'asseoir dans un maquis. Je commande au moins 80 000 de champagne. On fait ma talakou jusqu'à... Mon nom va régner. Tu allais te donner... Hein? À Francis Mbumba. Tu vois dans le gourmet dans lequel il te met. Hein? Tu vois le gourmet dans lequel il t'a mis. Regarde aujourd'hui. Donc c'est tellement compliqué. Elle a créé une maladie quand je suis malade. Elle n'est pas malade. C'est le gourmet stal.
C'est le gourmet qu'il a mis dans cet état. Parce que est-ce que les gens vont lui demander, mais où est Francis Mbumba? On dit Francis Mbumba, il est venu en Côte d'Ivoire, il est où? Et puis on n'a pas vu avec toi. Et puis on n'a pas. Mais comment vous laissez vos parents là-bas? Et puis c'est en Côte d'Ivoire, vous allez fêter. Nouvel an là, on fête toujours en famille. On fête toujours en famille. On ne fête pas dans un autre pays. Mais vous vous êtes ramassé pour aller en Côte d'Ivoire. Nous, on pensait que peut-être que Emma Louès va arranger les choses. Vous allez fêter ensemble. Coco Emilia et puis son mari. Emma Louès avec son battant. C'était une histoire de deux battantes qui se sont retrouvées toutes seules. Deux femmes battantes qui se sont retrouvées toutes seules en train de se consoler. Il y a affaire de femmes battantes là-dedans. Affaire de femmes battantes. Pendant ce temps, Francis Mbumba est en train de lover avec une nouvelle fille battante. Depuis 31 là, ma chérie. 31 là. Premier là encore. Bon, 24, 25, on dit c'est pas grave. On dit 25 là, c'est pas grave. Normalement, 31, 1er janvier, là, on devait voir Coco Emile et puis Francis Mbumba en train de fêter en famille, elle est princesse. Attendez, il a bloqué les marabouts là. Vos maudits, elle le teint qui va avec. Je vais bloquer les marabouts là. Quittez sur ma page, quittez sur ma page. Voilà. Mais on a regardé, rien. Il avait vu et ignoré. On peut souffrir comme ça. Donc, vous avez dit que une femme n'est qu'à se battre. Bon, vous avez trouvé, Coco Emile a trouvé quelqu'un qui a l'argent. Mais Emma Louis a dit, oh, elle dit, elle préfère l'argent que garçon. Elle préfère l'argent que se marier. Ah, elle a choisi l'argent. Elle a dit que avant de vous marier là, il faut te battre aussi, tu vas avoir un peu. Maintenant, voici Coco Emilia. Elle a l'argent. Elle a trouvé un homme battant, un milliardaire. Hein? Un diamantaire, un pétrolier. Mais regarde le gourmet maintenant qu'il lui donne. Donc, on peut être femme battante et puis avoir gourmet. Hein? On peut être femme battante. Et puis ne même pas fêter à son mari. Le 24, 25. 31, 1er, 2, aujourd'hui on est le 3. Francis Mbumba est passé où? Hé, hey, les Camerounais, on vous regarde. Hein? Les Camerounais là, on est assis par terre à Zouan. 2022 là, on est assis par terre. Je dis, venez nous expliquer Francis Mbumba, il est passé où? Et puis il a laissé Coco Emilia seul. Même malgré qu'elle a créé une maladie pour dire que, ah, peut-être en disant, si je dis que je suis malade là, Francis Mbumba va venir me trouver un peu sur mon lit d'hôpital. Malgré qu'elle a créé une maladie en bris, maladie forcée, pour dire je suis malade là, Francis Mbumba est en train de lover avec une fille wobé. Hey! Francis Mbumba est en train de lever dans les bras d'une femme wobé. Eh, Coco Emilia, si la fille wobé l'a attrapé Francis Mbumba là, ma chérie. Ah, hey, il te dit, hein. Il est dans les bras d'une fille ivoirienne, une fille wobé. C'est à l'ouest qui est arrivé. C'est là-bas qui est arrivé. C'est chez femme wobé qui est arrivé. Coco Emilia. En tout cas, il faut aller revoir ton marabout là. Il n'a qu'à doser. Il n'a qu'à. Hein? Il n'a qu'à me faire. Par là où il a mis sa tête là. Où il allait mettre sa tête. On est assis par terre. On peut souffrir comme ça. Les Camerounais, venez nous expliquer où est passé Francis Mbumba. Deux fêtes absentées. Deux fêtes. Absenté avec sa femme. Ah! Même nous qui ne sommes pas femmes battantes là, nous qui se battons peu là, nous au moins là, on a fêté un peu avec pour nous à côté.
Hein? Nous-mêmes qui nous battons moins, on se bat pas trop, on se bat un peu. Nous, au moins, là, on a fêté hein, pour nous. Mais vous, les grandes femmes battantes là-haut, vous qui nous enseignez qu'on n'est qu'à se battre, avant de se mettre dans une relation, on n'est qu'à se battre. On vous a suivi. Pourtant, vous avez fait un coco taillé. Vous avez fait une fête inachevée. Parce que quand une fête inachevée, il manque quelqu'un pour que la fête soit achevée. Oui. Hein? Il manque quelqu'un pour que la fête soit achevée. Mais vous, les deux femmes battantes, vous avez fêté une fête inachevée. Oui, les vraies femmes battantes, ils ont fait une fête inachevée. Parce que quand la fête doit être achevée, monsieur doit être à côté. Au moins, un homme doit être à côté. Puis on dit, ouais, la fête a été achevée. La fête était belle. La fête fut belleuse. Mais vous avez fait une fête inachevée. Hein? Je dis, les femmes rebelles, la manifestez-vous. Francis Mbouba, il est arrivé chez les Ouais. C'est une fille rebelle, il allait prendre. Les femmes rebelles, la manifestez-vous. Oui. Hein? Tu allais prendre bague là pour aller donner à une fille rebelle. Eh, hey, Coco Emilia. Hey. En tout cas, il faut attacher Keyou à la dure. Parce que la fille Wabella, elle va faire ça propre. Elle va faire ça à Francis Mbumba là. Oh, pourquoi ce truc là, même son nom là, c'est dans ma bouche. Maudia, la fête est terminée. Attendez, regardez ma sauce. Attendez, ici assise par terre, il regarde ma sauce. Il est à la cuisine. Bien m'asseoir. Hein? Ces femmes Wabé, il allait soulever. Que oui, il allait voir sa destinée. Que oui, il allait voir sa chérie. Il vous a dit que c'est à cause d'elle, il est bâti. Il vous a dit que c'est à cause de Coco Emile, il est bâti à Abidjan. C'est pas à cause de Coco Emile. Hein? C'est pas à cause de Coco Emile Francis Mbumba est allé en Côte d'Ivoire. C'est pas à cause de Coco Emilia. Francis Mbumba est allé en Côte d'Ivoire. Il est allé voir sa destinée. Une fille Wabé. Hey, il allait manger le pléba. Il est allé manger le pléba. Hey, Yusa, c'est un peu compliqué. C'est là-bas que tu es arrivé, Francis Mbumba. Hey, t'es arrivé loin. Donc, Coco Emilia, ah, c'est les histoires de femmes battantes. Les femmes battantes ont été battues. Les femmes battantes ont été battues. 31, inachevées. Premier, inachevé. Massacre. On peut être femme battante comme ça et puis être inachevée. Hein? Je dis les femmes rebelles, signalez-vous. Signalez-vous, dites à Francis Mbumba que. Dites à Francis Mbumba que. Si c'est si femme rebelle, il est arrivé là. Ah! C'est que là, c'est son terminus, hein? On dit quoi? Les Camerounais ne le veut plus, Coco l'a barré. Hey, vous, Eric, ils vont se marier en brie. Coco l'a barré, wa. Coco l'a pas encore barré, hein. Que tata Pauline, tu m'as. Il n'était pas, hein, lui, ma chérie. J'ai dit, ma chérie. Francis Mbumba n'était pas. On connaît trop les stars, les femmes battantes, on les connaît. Les femmes battantes, là, elles ne peuvent pas faire quelque chose dans le noir. Oui, on n'est qu'à se dire vrai. Les femmes battantes ne font rien dans le noir. Même si elles sont en train de faire, elles vont snapper. On connaît trop Coco Emilia. On connaît Coco Emilia dans ses débuts avec Francis Mbumba. Hey, les Camerounaises ont commencé à mettre les têtes de mort.
Vous avez commencé à mettre les têtes de mort parce que je suis en train de casser le papeau. Hein? Vous avez commencé à mettre les têtes de mort parce que j'ai commencé à casser le papeau. J'ai dit Francis Mbumba, il est dans les bras d'une autre fille Wobé. Une fille Wobé. Oui, une sœur Wobé est le teint qui va avec. Conan, il était à Abidjan, il était avec Coco Emilia. Et puis on n'a pas vu les photos. On connaît les femmes battantes, hein? Elles ne font rien dans le noir. Elles ne cachent rien. Si Francis Mbumba était, il était allé pour Coco Emilia là, où elle a créé maladie, où elle a dit qu'elle est malade là, on allait le voir au chevet de son lit. Oui, on allait voir Francis Mbumba au chevet de lit de Coco Emilia. On allait le voir ensemble, ils allaient se snapper. Ils allaient fermer la bouche des aigris. Ils allaient fermer la bouche des papatos. Oui, c'est parce qu'il est... Et puis ils ont montré qui? Le témoin, le fameux témoin. Oui, le papato témoin. Lui, il est allé d'abord en mission. Oui, le témoin là, lui qui a témoigné le mariage de Coco Emilia là. Il est allé d'abord voir la fille Wobé là pour pouvoir ranger la place pour l'arrivée de Francis Mbumba. Oui, son témoin là, il est allé d'abord vérifier l'emplacement pour que Francis Mbumba, avant l'arrivée de Francis Mbumba, ils ne se sont pas vus. Il n'a pas vu Coco Emilia. Coco Emilia ne l'a pas vu. Ok? Ils ne se sont pas vus. Donc arrêtez de vous donner espoir. Donc Coco Emilia, pardon, il faut aller déposer bague là. Va remettre la bague à la sœur Wobé. Eh oui, 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 oui. Il faut aller déposer la bague de la gloire. Va donner la bague là à ma sœur Wobé. On peut faire ça en 2022. Hein? Ma chère, il n'a jamais été avec Coco Emilia. Voilà, il a dit. Il est... Oh, vous-même là, attendez. On vient de rentrer dans les 2022. Non? Les vrais papos seront cassés. Le vrai papo, ça, il est arrivé à Abidjan le combien? Hein? Il est arrivé à Abidjan le combien? Hein? Depuis l'arrivée à Abidjan, on a vu les deux là. On a vu Coco Emilia et puis Francis Mbumba. Est-ce qu'on a vu même là? On a vu Emma Louès et Francis Mbumba. On a vu seulement les deux femmes battantes en train de se consoler. Non, 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 elle a quelque chose à prouver. Attendez, elle m'assoit d'abord. Elle a quelque chose à prouver. Ce n'est pas maintenant vous allez dire qu'elle n'a rien à prouver. Elle a quelque chose à prouver. Elle doit nous prouver. Eh oui, parce que là, elle nous a tout prouvé. Tout était déjà prouvé. On a vu tout. Mais pourquoi c'est maintenant là, elle n'a rien à prouver? Hein? C'est maintenant là, elle n'a rien à prouver. Non, non, elle doit nous prouver quelque chose. Oh, c'était Doudou là, elle nous a tout prouvé. Même quand ils sont couchés dans le lit là, elle nous prouve. Même quand elle est en train de faire ceci là, elle est prouvée. Elle nous a prouvé. Donc là, elle doit prouver tout. Pourquoi elle n'a rien à nous prouver? Les marabouts là qui étaient sur ma page vont maudire. Allez, gauche. C'est maintenant quand c'est, donc c'est quand c'est en mer là, on ne prouve rien. Hein? Quand c'est en mer là, on ne prouve rien. Quand c'est en mer là, on ne prouve rien. Mais Emma Louès l'a invitée pour se moquer d'elle. Hey, vous connaissez les Ivoiriennes. Vous connaissez Emma Louès. Emma Louès l'a invitée même pour se moquer d'elle-même. Propre. Sur la temps normal là. Si Francis Mbumba était allé pour la voir, est-ce qu'elle allait faire deux seuls? Non. Est-ce qu'elle allait se retrouver au maquis seule avec Emma Louès? Non. Elle allait fêter avec son mari. Elle allait sortir avec son mari. Hein? Il a dit, laisse mon autographe. Mon autographe, là, c'est ça même qui te plaît. Puis tu es là, ma chérie. C'est à cause de mon autographe, là. C'est ça même qui t'a attiré. Puis tu es là. Sinon, en 2022, là, quand tu vois que l'autographe de quelqu'un n'est pas bon, là, tu changes de lieu.
C'est de ça qu'il s'agit. Mais si tu es là, c'est parce que orthographe de l'ovalo va t'a plu, raison pour laquelle tu es là. Hmm? Ma chérie, tata Pauline, quoi, depuis que tu es là, tu as déjà montré ton mari. Moi là, il est invisible. Il est dans le noir. Il est dans le noir. Voici les gens qui ont montré leur mari milliardaire aujourd'hui là. Elles sont dans Goumet. Mmh. Sinon, si c'est pour moi que tu attends la tanti, tu vas pousser champion. Il faut bien laver ton tabouret là. Tu vas t'asseoir. Il faut bien nettoyer ton tabouret là. Si c'est pour moi que tu attends là, tu vas pousser poil blanc. Où tu es assise là, tu vas pousser poil blanc. Voici les femmes battantes même là, qui ont prouvé pour elles actuellement, elles sont obligées de créer maladie. Elles sont obligées de créer maladie pour dire je suis malade. Parce qu'elles ont prouvé jusqu'à, voilà maintenant là, c'est devenu arrêt de poisson dans leur gorge. Mmh. Elles ont prouvé pour elles. Elles ont prouvé pour elles, je dis là, c'est devenu arrêt de poisson dans leur gorge. En tout cas, moi je n'ai pas prouvé pour moi, hein, mais je n'ai pas fêté seul non plus. Je n'étais pas inachevée, j'étais achevée. Oui. Je n'ai pas prouvé pour moi. Mais je n'étais pas achevée le 31. Je n'étais pas achevée. Hein, je n'étais pas inachevée le 31. Je n'étais pas inachevée le 1er. J'étais achevée. Du 1er au 31, j'étais achevée. Mmh. J'étais achevée. Regarde même le teint. Regarde, tu vois pas comment le teint brille encore? Hein? Est-ce que quelqu'un qui est inachevé peut avoir ce genre de teint en 2022? C'est parce que j'étais achevé. Voilà. Mais ceux qui ont montré pour eux là, il y a dit les femmes battantes là, viens nous expliquer, Emma Louès, viens nous expliquer où Francis Mbumba il est passé où. Viens nous expliquer. Donc, tellement qu'Emma Louès, elle avait honte là, elle était obligée d'appeler, comme il s'appelle, elle était obligée d'appeler Didier Vélodrome. Hein? Elle était obligée d'appeler Didier Vélodrome pour dire Didier Vélodrome, viens. Parce que toi et moi, on avait déjà fait un buzz où on avait fait une demande en mariage. Viens, tu vas me tenir compagnie. Viens, tu vas me tenir compagnie. On peut être sapé comme ça. Et puis se retrouver seul. Hey, ils sont où même? Attendez, les deux là même sont où? On peut être sapé comme ça, puis se retrouver seul. Hein? Adama. En plein 31. Attends, il est presque fini de préparer. Yeah, mise, ça c'est mise. Hé? Est-ce qu'on va quitter dans le virage? Tout ce qu'on a attend, tout, on va tout rattraper. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo. Je cherche les deux là. Les deux femmes battantes se sont retrouvées seules là. Elles sont où même? Les deux femmes battantes qui se sont retrouvées seules. Seul en pleine fête, en plein 31, en plein premier, seul. Ah, vous savez bien. Qu'aux femmes battantes. Hein? Les voici ici. Consoler. Voici. C'est quel bébé qui pleure là-bas encore? Ah, les femmes battantes là n'ont pas le temps pour s'occuper de leur bébé. Ça
mensonge. Excusez-moi, ma connexion a commencé à m'énerver. Ça va, attendez. Je ne sais pas où il y a la musique là, attendez. Attendez. N'arrive pas que... Oh, ma chérie, laisse ça. Il faut laisser ton loup français que tu allais écrire que ça n'arrive pas ça aux autres. Ça arrive. Hein? Attends, attends, attends. Qu'on l'appelait, comment on appelle, biscuit de mer. Elle ne voulait pas qu'on l'appelait ce petit nom biscuit de mer. Mais comme c'est tombé, hein, c'est tombé en vinaigre, elle a repris biscuit de mer là pour Messi Coco Emilia. C'est parce que ça a tourné en vinaigre. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? À temps normal, Francis Mbumba devait être à côté. Comme ça, la fête allait être encore plus belle. Mais deux femmes battantes, elles se sont battues jusqu'au finish là. Elles se sont retrouvées toutes seules. Oui. Elles se sont battues jusqu'au finish. Elles se sont retrouvées toutes seules. On peut se battre comme ça et puis ne pas trouver un battant à côté de vous. Jusqu'à Emma Louès est allée louer. Hey, comment il s'appelle? DJ Vélodrome. Pour dire pardon, viens auprès de moi, tu vas me tenir compagnie. Parce que je n'ai pas trouvé, je me suis battue jusqu'à, mais je n'ai pas encore trouvé un homme battant. Donc viens me tenir au moins compagnie, comme ça ils vont dire que non, je ne serai pas seule. Pourquoi ils vont dire que je ne suis pas seule, je suis au moins accompagnée. On dit derrière une grande dame se cache un homme de feu, se cache un grand monsieur. Mais vous les deux femmes battantes là, vous vous êtes retrouvés toutes seules. Hein? Vous vous êtes retrouvés toutes seules. Donc, comme DJ Vélodrome aussi, ah, peut-être lui aussi, c'est un homme battant. Il est venu se coller à Coco Emilia, comme ça on va dire, au moins, elle n'est pas seule. Il est venu se les consoler. Même Mola a laissé sa femme, mais après, là, il allait retrouver sa femme. Après, Mola allait retrouver sa femme aussi pour dire que, ah, mais les femmes battantes, moi aussi, ma femme a besoin de moi. Je peux passer un peu le temps avec vous, je vais vous ambiancer. Mais je ne suis plus célibataire. Ma femme aussi est une femme battante. Je vous aime bien, mais je vais aller retrouver ma femme. Donc, c'est comme ça que Mola, il a fait un peu d'atalakou et il allait retrouver sa femme. Vous comprenez? Donc les femmes battantes là sont restées là, vrogoton. Elles sont assises derrière boisson là, en train de se consoler.
Coco Emile, elle est obligée de danser, mais on sent le gourmet. On sent qu'elle se pose la question, mais actuellement là, Francis Mbumba, il est ici en Côte d'Ivoire, dit Abidjan fait peur. Abidjan est risqué. Quand tu vas être ton mari là, il faut l'attacher à tes pieds. Parce que Abidjan est risqué. C'est d'Abidjan est risqué là que Francis Mbumba, on dit, il est en Côte d'Ivoire. Mais je ne l'ai pas encore vu. Je ne sais pas où il est rentré. Eh hey, Seigneur, protège-moi. Malgré qu'elle dansait, elle faisait un effort pour danser. Mais toute sa pensée là, Francis Mbumba, il est avec qui? Eh la fille Obé, là, pardon. Faut faire doucement, oh, Niawa. Nambéi. Toute sa prière que Coco Emilia faisait, eh la fille Obé, là, pardon. Doucement, eh mon Francis Mbumba. Doucement, oh, doucement. Toute son idée là n'était pas là. N'était pas là. Regardez comment Emma Louis était contente. Emma Louis était contente. Elle s'en fout. Ah, elle, c'est cabri mort. Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre. Est-ce qu'on peut tomber encore? Donc Emma Louis, elle est cabri mort. Donc elle s'en fout. Donc actuellement là, il a dit, elle regarde Coco Emile les pieds, elle rit. Elle dit, ma chérie, tu n'es pas dit que tu veux milliardaire. Même si on dit on n'est qu'à se battre. Hein? On n'est qu'à se battre pour trouver un homme battant. C'est-à-dire, nous-mêmes, notre conseil là, conseil qu'on a dit là, ça nous a rattrapé. Ça nous a rattrapé. Malgré qu'on a l'argent, on s'est battu. On s'est battu jusqu'on a l'argent. Mais regarde, Goumet, tu as trouvé quelqu'un aussi qui est un peu. Qu'il sait que s'il achète maison pour te donner là, il sait que maison là, tu peux payer le double. Mais regarde, ma soeur, tu as Goumet. Voilà. Affaire de, on n'est qu'à se battre là. Voilà dans le coin où vous êtes retrouvés. Donc, famille, c'était un peu mon Congo ça. Donc, actuellement où je vous parle là, Francis Mbumba, il est dans les bras d'une fille Wobé. Et il est dans les bras. Il est dans Abidjan là. Hein? Il est dans Abidjan là. Mais il est dans les bras en train de lover actuellement à une fille Wobé. Hein? On peut se battre et puis aller prendre un escroc notoire. On peut se battre et puis aller prendre un escroc notoire. On peut se battre et puis aller prendre un arnaqueur. On peut se battre et puis aller prendre un marmailleur. On peut se battre et puis aller prendre un gigolo. Parce que Francis Mbumba, c'est un gigolo notoire. Oui, il a bien profité de Coco Emilia. Parce que ces gens de femmes-là, c'est ça, c'est les hommes comme ça là qui les méritent. Oui. C'est les femmes, c'est-à-dire les hommes comme les Francis Mbumba là. Il se fait passer pour un milliardaire. Il se fait passer pour un riche. Et Coco Emile est tombé dans son jeu. Quand elle-même a vu que le gars là n'a rien. Le gars là n'a rien. Quand il m'a naqué là, elle a mal, mais elle ne peut pas dire. Actuellement, je suis assise par terre ici là. Voilà 2021 qui vient de 2022 qui vient de commencer. Coco Emile a su que le gars il n'a rien, il a profité d'elle, il a menti. Il s'est fait passer pour un milliardaire, il n'est pas milliardaire. C'est à cause de l'argent de Coco Emile, il est collé. Il est collé. Est-ce que depuis qu'ils se sont mariés là, il arrive. Mais un milliardaire, après le mariage, là, ils vont aller faire un tour à comment on appelle, à Angela Velas, où ça, aux États-Unis, on appelle. Ils peuvent aller passer l'huile de miel à Angelo Velas, à Angela Velas, oh, la ville des États-Unis, comment on appelle ça? Aux États-Unis, Angelo Velas ou bien Angela Velas? Las Vegas. Las Vegas, c'est ça. Hein? Ils peuvent aller passer l'huile de miel à Las Vegas, aux États-Unis. Ils peuvent aller se promener à Miami. Oui, ils peuvent aller se promener à Miami. Même s'ils ne vont pas à Las Vegas, ou bien Angelo Vegas, mais on dit Las Vegas là. Ils peuvent aller à Dubaï, tout près ici là. Ils ne sont pas allés à Dubaï. Hein? Parce que Dubaï, là, c'est le petit frère de Miami. C'est le petit frère de Las Vegas.
ses petits frères. Mais l'huile de miel là, hein? L'huile de miel là, ils ont passé ça chez Coco Emilia. L'huile de miel, il a passé ça chez Coco Emilia. Tout son séjour après le mariage là, ça s'est passé chez Coco Emilia. Ils sont même pas allés même, comme on appelle, à Dubaï pour dire voilà faire l'huile. Même si vous n'êtes pas parti à où? Angelo Velas là. Même si vous n'êtes pas parti à Angelo, on dit quoi? Elle, quoi là? Las Vegas. Même si vous n'êtes pas allé à Las Vegas là. Si vous n'êtes pas allé passer votre huile de miel à Miami, au moins allez-y à Dubaï un peu. À Dubaï, parce que là-bas c'est petit frère de Miami. Pour aller faire votre huile de miel. Ou bien comme il dit là à Monaco. Allez-y à Monaco, vous allez passer l'huile de miel. Mais rien, l'huile de miel c'est dans la maison de Coco Emilia. Coco Emilia ne fait que préparer. Elle ne fait que préparer seulement son petit argent qu'elle a gardé là. Elle prépare le gros plat. Coco Emile est en train de piler grain au FSMA. Coco Emile est en train de préparer au FSMA. Elle fait ceci, elle dit. Il est en train de manger dans l'argent de Coco Emilia. Oh, même pas l'huile de miel. Même pas le fait l'huile de miel. Il n'y a rien. Est-ce que depuis le mariage, il vous a montré sa maison au Congo? Il vous a une fois montré sa maison au Congo? Il vous a une fois montré sa famille au Congo? C'est-à-dire, c'est un gigolo, you-goss. Un milliardaire, you-go, à Dokafle, un you-goss. Hein? Même pas l'huile de miel. Rien. C'est ça, vous appelez milliardaire. Il y a dit pourquoi milliardaire? C'est un malheur qui travaille ce genre de conseil, non? Hein? Il faut aller chez coach Amon Chic, elle va te coacher. Il faut aller chez coach Amon Chic. Tu vas être coaché, tu as besoin d'un coach. Va prendre le conseil chez coach Amon Chic. Oui, va prendre le conseil chez coach Amon Chic. Si tu vois que Coco Emilia est encore assise, comment on appelle? Emma Louis est encore assise là. C'est parce qu'elle prend conseil chez coach Amon Chic. Elle attend son combattant. Son battant n'est pas encore arrivé. Pendant le temps qu'elle va s'en rendre compte là, ils ont bouclé Abidjan là. Attendez, hein? Restez là, on n'est qu'à travailler un peu, on n'est qu'à chercher l'argent avant de prendre garçon. Maintenant, quand vous avez l'argent, maintenant les hommes là vous donnent gourmet. Voilà, toi qui es dans gourmet, tu as honte maintenant. Tu es obligé d'aller retirer photo, d'aller enlever bac, d'aller faire ceci. Tu n'as rien compris encore. Il va zouker dans ton argent. Vous avez signé un truc de bien, non? Hein? Vous avez signé contrat de bien. Séparation de biens, ou bien je ne sais quoi là. Vous avez signé ça, non? Il va bien zouker dans ton argent. Toi-même, est-ce que il t'a montré sa maison au Congo? Au Congo, il t'a montré sa maison. Il t'a pas montré sa famille. Tu n'as rien compris encore. Il t'a loupé même. Francis Simbumba, il faut mettre encore. Il t'a loupé. Tu n'as que les yeux pour pleurer. Maintenant, tu pleures. Tu n'as pas encore pleuré, ça c'est petit. Hein? Attends. Hein? Maintenant tu pleures. Il t'a loupé, oh, il t'a loupé. Il t'a fait sa propre. C'est pas vous qui donnez le conseil bête aux gens. Hein? Maintenant vous avez cherché l'argent, vous avez eu l'argent. Vous avez eu l'argent, maintenant tu allais prendre un mari qui est riche. Voilà. Tu es tombé dessus un riche en brakata. Hein? Moi, je vais vous laisser de... Oui, communauté de bien. Communauté de bien qu'il a signé, la communauté de bien. Où ça y est? C'est parce que c'est ton argent, il veut zouker de la signer communauté de bien. Communauté de bien, là, c'est à cause de ton argent. Après mariage, là, j'ai dit, tout son séjour, là, il a passé chez Coco Emilia. Tout son séjour après le... Nous, on a tous suivi, hein, parce que tout était sur Facebook. Hein, puisque leur vie même était sur Facebook. Hein? Il regarde le commentaire. Hein? Toute sa vie était sur Facebook. Donc, nous, on a regardé leur séjour. Ces jours-là, tout ça s'est passé chez Coco Emilia.
Tout son séjour, ça s'est passé dans la maison de Coco Emilia. Donc Coco Emilia, elle a pris un gigolo en train de l'entretenir. Elle pense qu'elle a eu son milliardaire. Elle pense qu'elle a eu son milliardaire. Ya, c'est un mrakata. Hein? Aujourd'hui là, elle n'a pas le moral. Elle est devenue faible, elle est démoralisée. Mais elle ne veut pas faire savoir aux gens parce que c'est une honte. C'est une honte, elle a honte. Du coup là, elle ne veut pas faire savoir ça aux gens. Pourtant là, c'est gâté. C'est gâté entre les deux là. C'est gâté même, ya, ça sent pas bon. Mais elle fait semblant, même elle allait à Abidjan là. C'est parce que ça n'allait pas. C'est parce qu'elle avait mal qu'elle a décidé d'aller changer un peu d'air. D'aller changer un peu d'air, sinon elle l'a très mal. Même dans l'anniversaire de son fils. Le fils de Coco Emilia, là, à son anniversaire, là, Francis Mbumba n'était pas là non plus. S'il n'est pas là le 25 pour fêter Noël avec sa fille, c'est pas dans l'anniversaire de l'enfant de Coco Emilia qu'il va venir. Qu'il va venir. Hein? Donc c'est ça. Bon, famille, je dis où je vous parle là. Les Wobes ont déjà adopté Francis Mbumba. Il allait manger le pleba. Donc, la Coco Emilia, en tout cas, tu as une nouvelle rivale. Comme tu ne sais pas, je te le dis en même temps. Hein? Comme tu as. Il aurait dit que tu as une nouvelle rivale, c'est une fille Wobé. Donc, attache ton keiwa. Mais c'est vrai, après le mariage, là, Coco Emilia, c'est-à-dire que. Elle se dit qu'elle a eu son Roméo. Parce que après le mariage, c'était Roméo et Juliette. Les amours, c'était Roméo et Juliette. Coco Emilia ne bougeait pas. C'est lui seul qui voyageait. C'est lui seul qui faisait le tour du monde. Même après son accouchement, il pouvait dire que, ah bébé, bon, je vais t'emmener dans tel pays, tu vas aller te reposer. Un vrai riche. Un vrai riche. Même les présidents là, malgré qu'ils gouvernent le pays, mais ils sont toujours là. Pour les femmes. Quand on dit nouvelle année, là, ils fêtent en famille. Quand on dit nouvelle année, les présidents ne voyagent pas. Ils fêtent en famille. Ils fêtent avec leur famille, avec leurs enfants. Mais toi, tu dis, d'après toi, tu es Richard. Et tu embadonnes ta famille pour aller faire quoi? Sungruya ou bien Cambreya? Tu embadonnes ta famille pour aller faire Cambreya? On peut faire ça. Ceux qui ont les yeux pour voir, voiront. Verront. Ceux qui ont les yeux pour voir, verront. Ceux qui ont les oreilles pour attendre, entendront. Ok? Ceux qui ont les oreilles pour écouter, écouteront. Mon cher, 2022, là, on est lancé. Donc, famille, c'était pour vous annoncer que Francis Mbumba, il a été adopté par une fille, Wobé. Par ma soeur Wobé. Elle a pris Francis Mbumba. Donc, 31, il a passé à la fille Wobé. Le premier, il a passé à la fille Wobé. Le 2, il a passé à la fille Wobé. Donc, comme le gourmet là, Coco Emilia, ça lui fait ça. Ça l'a dit que ça l'a tellement traumatisé. Elle a dit que mon enfant me manque. Elle a trouvé autre chose encore. Mon enfant me manque. Elle espérait voir. Elle espérait voir Francis Mbumba il y a longtemps. La fille Wobé, elle a déjà fait comme ça. Elle a déjà travaillé. Et elle a envoyé dans les 18 montagnes aller saluer la forêt sacrée. Elle allait dire bonjour à la forêt sacrée pour dire je vous présente le nouveau beau. Le beau de beau, papa n'a milliardaire, il s'appelle Francis Mbumba. C'est votre nouveau beau, il veut manger le pleba. Et elle a fait le pleba, là, il a goûté ça, il a dit, est-ce que Coco Emilia a dit ça, fait le pleba? Hein? Est-ce que tu peux faire ça? Donc, ma chérie, faut pas goumer là. Faut quitter dans goumer. Il faut continuer à te battre. Il faut enlever bague là, tu as donné à ceux qui se battent pas là. Toi, il faut continuer à te battre. Hein? Il a dit, Francis Mbumba,
Ça, après, Coco Emile, il a pris une femme au bain. Je vous le dis. Il a pris une femme au bain, une femme de l'Ouest, une femme de 18 montagnes. Elle vient de Fakobli. Voilà, je vous casse le papeau. Sa deuxième femme, partagez la vidéo, vous cassez le papeau. Je dis, la fille vient de Fakobli. Eh oui, c'est une fille de Fakobli. Ah, vous avez compris? Maintenant, si vous voulez que je donne tous les détails, là, partagez la vidéo. Ou bien soit au couple direct. Partagez la vidéo et puis je vous donne tous les détails. Il dit la fille là vient de Fakobli. C'est une fille Wobé. Comme non, c'est Coco Emile. Oui, mais elle a vu qu'elle a découvert qu'il était un menteur. A mis 500 partages. Je donne le nom de la fille. Je donne le nom de sa famille. Je donne le nom de son village. J'ai dit c'est une fille Wobé. 100% de père et de mère vient de même. Elle vient de Fakobli. Donc, a mis 500 partages. Elle casse tous les papiers. On est 2022. Donc, on n'a rien à se cacher. Partagez la vidéo. Le temps qui va avec. Partagez la vidéo. Et vous casse tous les papiers ici là. Coco Emilia. Ha, tu n'as rien compris encore. Tu n'as rien compris. Et la femme Wobel, elle va faire sa parole. La femme Wobel, elle va faire sa parole, ma chérie. Tu vas rien voir dedans. Ah. Si vous partagez là, je casse tous les papiers. Si vous partagez là, ah, voici, on m'envoie déjà les trucs. On m'envoie déjà même les cassements. On m'envoie déjà. On m'envoie déjà les cassements de papiers. Si vous partagez, je casse le papeau. Si vous ne partagez pas, je laisse parce qu'on a trop d'affirage à aller là. Hein? On me dit non, ne fais pas ça. Au pays des gâteaux, on gâte tout. Donc je vais garder ça. Je vais mettre ça au congélateur. Je vais revenir. Quand vous ne voulez pas partager là, affirage ça là, je vais garder. Parce qu'actuellement, il y a d'autres dossiers à faire. On a combien de partages? Je suis grippé, hein? On a combien de partages? Mais je vais voir. Je suis mal grippé un peu, là. Alors. Goumé n'est pas beau, Goumé. Eh, Goumé. On a combien de partages, même? Où ça est, même? On me dit que vous avez partagé. Vous avez dit que vous avez partagé. Vous avez partagé quoi? On dit quoi? On me dit de ne pas dire. Aïe. Pourquoi vous ne pouvez pas y dire? Mais c'est 129 partages. Et puis il y a quelqu'un qui a dit que vous avez mis 500 partages. Vous jouez à moi, quoi. C'est à moi vous jouez. Hein? 119 partages. Et puis vous voulez que je parle? Non, je ne vais pas parler. Regardez ça. Je vais garder ça. Je vais garder ça. Donc vous devez savoir que Francis Mbumba, là, il y avait une fille, Wobé. Donc il a fêté 31 avec elle. Depuis qu'il est arrivé à Abidjan, là, depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est cette fille, il est. C'est elle qui l'a fait les fêtes. C'est elle qui l'a fêté. Il n'était pas allé pour Coco Emilia. Il n'était pas allé pour voir Coco Emilia. Il s'est déjà foutu d'elle. Il a trahi. Il a manipulé. C'est un manipulateur. Il a manipulé. Oui. Il a mis piment dans ses yeux. Elle a vu que c'est un menteur. Elle a vu que c'est un manipulateur. Elle a vu que c'est un brouteur. Elle a vu que c'est un arnaqueur. Il a profité d'elle. Il a zouké dans son argent. Oui, il est allé à cause de son argent. Il n'a rien. C'est un milliardaire Mbrakata. C'est un milliardaire en carton. C'est un milliardaire en bas de manioc. Mais ma sœur Wobela, je dois lui parler. Ma sœur Wobela, toi, ma sœur Wobek, il est venu tomber dans tes bras là. J'espère que tu as bien réfléchi, hein. Toi, ma sœur Wobek, là, tu sais que nous, les femmes Wobek, on ne tombe pas dans le bras de quelqu'un comme ça. Même s'il dit les milliardaires, on fait très attention. On voit clair d'abord avant de tomber dans ses bras. Donc, toi, ma sœur Wobek, je te dis en même temps, parce que j'ai déjà ton papo. Je te dis en même temps, j'ai déjà ton papo. Le monsieur qui est venu dans tes bras, qui s'appelle Francis Mbumba, là, il est marié légalement ici, avec une Congolaise qui s'appelle Coco Emilia. Maman, la femme battante, elle a l'argent. C'est une influenceuse, c'est une star. Mais il a blagué, il a menti à la fille qu'il est milliardaire, que ses parents sont riches, qu'il a or, il a diamant. Mais cette fille aujourd'hui, là,
Quand elle est rentrée dans sa vie, elle a découvert que ce qui brille n'est pas de l'or. Elle a découvert le mensonge en lui. Donc actuellement là, cette dame-là, elle regrette. Elle regrette fort. Donc toi, ma soeur Robert, si tu suis mon direct là, fais très attention. Celui qui vient là-bas là, il est très dangereux. Eh oui, il est dangereux. Donc, il faut te méfier de lui. C'est un menteur. C'est un mythomane. C'est un bafloteur. C'est un manipulateur. Il faut te méfier de Francis Mbumba. Donc, famille, je vais revenir après pour le reste de cassement de papo. On se dit à tout à l'heure. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.